They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? With my hook for a hand, I'll split you from your groin to your gullet. Ouais. T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde le film. Oh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il m'était écouché vers minuit et dix. Pourtant, j'étais fatigué après. Oh, je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il le faut. Oh de Dieu de bordel de merde. tu m'entends Tu m'en Oh, je suis fou. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids et bonjour à vous. Euh, une émission spéciale aujourd'hui consacrée au Candyman de Bernard Rose, un film de 92 et ce à plusieurs occasions. La première, c'est la sortie en France en Blu-ray du film chez ESC après une sortie l'année dernière, en fin d'année dernière, chez Arrow en Angleterre. Donc là, ça veut dire qu'enfin des sous-titres et puis les bonus sont repris, ce qui est une très bonne nouvelle. Et puis la projection à Rennes le 21 mars au Marquis de Sade par l'association 97 mm du film. Donc dans un bar, euh, très bonne initiative, je trouve, de la part de cette jeune association. Euh, on va revenir, bien évidemment, euh, sur euh, tout ce qui entoure le film et ce qui en fait, selon nous, un chef-d'œuvre. Euh, on peut, voilà, on euh, peut lâcher euh, le mot. Hein, <laughs> on n'a peur, peur, de, <laughs> peur de rien. On n'a peur de rien. Mais avant de, de parler du film, moi, j'avais juste une petite introduction. C'était comment je l'ai découvert parce que c'est, je trouve ça intéressant de raconter ma vie finalement. Euh, c'est pour un, ça que les gens nous écoutent. <laughs> on fait un retour mmh. dans les années euh, 90. Euh, à la grande période de la télévision, euh, celle où moi j'ai pu découvrir un paquet de films et, euh, et d'une case horaire qui me fascinait et dont j'ai essayé de, de, de rater le moins de choses, c'est les Jeudis de l'Angoisse sur M6, donc euh, c'était le jeudi en deuxième partie de soirée. Là, je parle de la deuxième moitié des années 90, même si je crois que ça a été repris un peu plus tard et que ça existait même un poil avant. Euh, j'ai cru comprendre que ça a démarré en fait à la fin de la cinquième et que M6 avait racheté des droits pour des séries, justement, euh, qu'il passait dans cette case horaire. Euh, moi, j'ai pu y découvrir un nombre de, de films assez impressionnants. C'était une case horaire qui se permettait de mélanger, justement, des séries comme Les Contes de la Crypte ou Au-delà du Réel, des choses de ce genre, et euh, des films entre guillemets un peu classiques, Amityville, euh, L'Exorciste, des choses de ce genre, des Dario Argento, beaucoup de John Carpenter, alors plus ou moins vieux, hein, jusqu'au dernier qui sortait à cette époque-là, notamment L'Entre-de-la-Folie, dont on parlera peut-être, parce qu'il y a des liens quand même euh, évidents avec, avec le Candyman. Et Candyman, du coup, a été, pour moi, englouti, en fait, parmi tout ça. Euh, ça n'a pas été du, du tout un choc, à ce moment, quand je le découvre. Moi, je suis adolescent, je vois justement des Dario Argento je vois l'entre de la Folie, qui me marque beaucoup plus, je crois, à l'époque, que Candyman. Mais euh, J'y reviens régulièrement, en fait. Depuis ce moment-là, adolescent, 12, 13 ans, une connerie comme ça, je vois Candyman. Je, je sais qu'à ce moment-là, le film doit me laisser une trace quelque part. Et, euh, et régulièrement, j'y reviens. Je vais acheter la VHS, je vais acheter le DVD. Je vais le revoir souvent. Et à chaque fois, euh, à chaque fois que je le revois, je me dis à chaque fois, tiens, il y a quelque chose là qui me, qui me surprend constamment, en fait, qui garde un mystère et qui me fait du bien. Si ce n'était pas un film d'horreur avec ce que ça peut euh, évidemment englober, à savoir justement. La, la crainte, l'inquiétude, parce qu'il y a une vraie inquiétude quand même dans Candyman, ça serait sans doute un film de chevet. Ça l'est presque, hein, parce que vraiment, j'ai dû le voir beaucoup, beaucoup de fois, Candyman. Et, euh, et, et je me suis sou... enfin, longtemps posé la question, mais pourquoi justement J'ai envie d'y revenir, c'est assez, assez récent finalement, euh, assez récemment que j'ai percé, entre guillemets, la, la clé du mystère de pourquoi j'y reviens. On en reparlera plus tard, je pense. Mais. Euh, mais j'ai pas tout de suite perçu à l'époque que le film euh, débarquait enfin était peut-être euh, pas forcément un contretemps je vais te laisser peut-être revenir à dessus Antonin mais, euh, mais qu'il qu était à part dans, dans les années 90 en fait ouais bah moi moi, moi euh, après juste pour aussi raconter ma vie parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que toi qui le fasse euh, moi j'ai découvert euh, ce, ce film euh, très très enfin oui très tard et par l'entremise d'un copain qui n'était autre que toi-même il euh, y a peut-être dix ans euh, dans une coloc toute pourrie d'une maison qui est euh, toute branlante et, euh, et, et j'avais été vraiment euh, Très éberlué par le film, par sa force et par euh, surtout son, c'est son, toutes ces spécificités, ce côté de film qui ne ressemblait à, à pas grand chose d'autre, si ce n'est qu'il s'inscrivait dans un genre avec une sorte de cahier des charges. Euh, donc on pas sait grand très chose bien, même s'il reprend beaucoup d'ingrédients, enfin il semble reprendre beaucoup d'ingrédients. Il semble euh... reprendre. De toute façon, on va parler, on va raconter euh... un, le, mmh, un peu de quoi. C'est un mais... film de genre, c'est un film d'horreur. Voilà, on a des attentes et on voyait bien que dans le film, il y avait il y avait, un, y avait un, le contrat n'était pas tout à fait respecté pour un pur consommateur de films d'horreur il y avait des audaces des, 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 des spécificités très particulières et c'est vrai que j'ai été très surpris et du coup en revoyant ce film à l'occasion de cette sortie de, de voir qu'il datait de 92 en fait pour moi comme tous les films de, de Boogeyman euh, dont Candyman fait partie euh, c'est des films qui sont plutôt dans les années 80 voire années 70 hein. donc les Boogeyman c'est tous les Freddy les Jason Voorhees les Leatherface les les, les ben voilà tous ces, tous ces types-là, Michael Myers et compagnie. Pour moi, tout ça, c'est une histoire qui date des années 80. Et pour moi, euh, Candyman, qui faisait partie de ces personnages-là, dont on ressentait forcément une sorte d'aura de culte, on voyait très bien qui était Candyman, ce personnage avec un crochet, ce personnage noir, très rare dans l'histoire des films d'horreur, euh, c'était un personnage des années 80. Et effectivement, c'est un film qui sort en 92, qui, ce qui déjà euh, est euh, un premier indice pour indiquer peut-être le manque de reconnaissance que peut avoir le film. Effectivement, il y a un culte autour du film. Euh, le film n'a connu que trois suites. Euh, des, de, alors, deux, deux suites, suites, du coup, il y a eu trois candidats qui et, sont euh, lamentables. Qui hein. sont faits coup sur coup. Moi, que je n'ai pas vu, on annonce que maintenant un remake du film euh, qui sera fait par Jordan Peele. Et on y reviendra encore parce que c'est intéressant que ça soit Jordan Peele qui le fasse. Euh, mais c'est vrai que c'est un un film qui n'a pas encore été remaké, ce qui est déjà un fait assez exceptionnel parce que tous ces films-là ont tous été remakés dans les années 2000-2010 quoi. Donc c'est quelqu'un c'est un, un personnage qui de toute façon c'est un film euh, qui en sortant en 92 était un petit peu à contre-temps parce que cette mode-là était passée ou en tout cas ne, euh, le, le, les, ces films-là euh, de genre d'exploitation ne sortaient à l'époque qu'en euh, VHS pour et, la plupart. Et même les suites hein, parce que c'est vrai que Freddy par exemple le premier Wes Craven je crois que c'est 84, il a le droit évidemment à beaucoup de suites mais c'est vrai qu'au début des années 90 par exemple les suites de Freddy c'est uniquement du v du vidéo club et ça fonctionne pas très très bien. Freddy 6, c'est pas déjà le film est pas très bon et ça fonctionne pas particulièrement bien. Et comme beaucoup de, de, de suites, les vendredis 13 et consorts, voilà. Et c'est assez, et ça, je sais que dans les bonus, c'est. Euh il y a un entretien croisé entre Alexandre Poncet et Laurent Duroche euh, qui revient sur le fait que c'est assez miraculeux en fait que ce film soit sorti au cinéma à ce moment-là. Ouais. Ouais. Et, et c'est vrai que quand on regarde un peu les années 90 en termes de films d'horreur, c'est assez polarisé en fait la la, la, la production. C'est vrai qu'on sent bien que dans cette année-là, il n'y a pas eu dans cette décennie-là, les années 90, il n'y a pas eu grand chose. Il y a des grands moments, mais c'est des moments très particuliers. C'est euh, c'est le moment euh, Scream euh, et c'est le 96, moment l'entre hein. de la folie. Euh, qui sort en 94. L'art si de la police c'est 94 Ca... et Scream c'est 96. Et 96. Qui... Et en fait on est sur quoi comme type d'horreur On est sur une horreur ultra méta en fait. On est au moment où le cinéma d'horreur euh, vient un peu de, de, de finir un peu son, son histoire et où des cinéastes s'emparent des schémas euh, du film d'horreur pour les réfléchir quelque part. Pour, pour qu on a réfléchir. des personnages qui sont déjà qui sont conscients de ce qu'ils voient. À fait, des qui et... sont limite cyniques d'ailleurs. Hein, Complètement. Par rapport, on à sent ça. que le, voilà le, le temps de la croyance, euh, le temps de la croyance qui a fondé un peu le pacte de, de, des réalisateurs de films d'horreur avec les spectateurs, ce côté on va voir un film pour se faire peur, on va on, on y va pour exorciser ses, exorciser ses peurs et pour pour euh, contempler des figures du mal ou de destruction. Euh, ce temps-là, ce pacte de la croyance est rompu. On est arrivé dans le genre total et le genre euh, réfléchit sur lui-même. Et cette décennie-là, c'est un peu ça d'une part euh, avec ces films-là et aussi d'un autre extrême du spectre. C'est aussi une décennie euh, alors je schématise, hein, parce qu'il y a plein d'exceptions, mais c'est une décennie aussi où il y a de l'horreur de, de série A patrimoniale, j'ai envie de dire. C'est l'époque où il y a eu le Dracula de, de, de Coppola, le Frankenstein bah, de c Kenneth Coppola Branagh. Coppola avait lancé sa trilogie. Voilà. C'est-à-dire que lui, il réalise euh, le, le Dracula, justement, mais il va produire le Frankenstein de Kenneth Branagh, et puis le, le, le Wolf, euh, c'est euh, Mike, euh, Mike Nichols. Ouais. voilà, euh, adapté de Jim Morrison. Et on voit voilà bien que, que ça, Lugarou. tout de suite, on n'est plus du tout dans le film d'exploitation, dans le cadre de ces films-là. On est, on est dans le moment où le cinéma d'horreur euh, a intégré presque la... Série A totalement, alors que c'était plutôt ex exceptionnel. L'Exorciste était évidemment un film de série A, euh, budgété euh, assez lourdement, et un film d'horreur. Mais, mais sinon, les, les films d'horreur sont plutôt cantonnés dans des budgets plutôt modiques qui les fait apparenter plus à de la série B. Là, dans les années 90, on est déjà dans des films d'horreur patrimonial de série A, avec des films euh, avec des stars euh, très très budgetés et puis plutôt polis. Il y avait Entretien avec un vampire. Il faut, faut voir à qui est destiné. Une relecture, le... mais quand même aussi un film qui cherche un peu une sorte de noblesse et qui n'est pas du tout. Dans ce côté euh, très, euh, comment dire, euh, euh, rustre presque, qui, qui est propre au film d'horreur. En, en plus, on a affaire à faire une adaptation littéraire quand même, hein, Anne Rice. Mais euh, le, le fait est que le, le film d'horreur, euh, en tout cas le slasher, parce qu'en effet, euh, Candyman va plutôt s'apparenter au slasher, est évidemment destiné à un, à un public plutôt adolescent, en fait. On va en retrouver des, des traces encore aujourd'hui. Enfin, saut pourrait être considéré presque comme du slasher, hein, euh, euh, quelque part entre le slasher et la torture porn. Mais, euh, mais voilà, c'est destiné à un public adolescent et c'est vrai que de faire passer certaines histoires d'horreur hein, en série A c'est parce que c'est destiné aussi à un autre public et Candyman se retrouve un petit peu le, entre guillemets le cul entre deux chaises parce qu'en effet on va toucher au slasher à savoir le boogeyman qui va, euh, qui va tuer des gens, c'est vrai que si on raconte l'histoire de Candyman comme ça en une ligne euh, ça pourrait ressembler à du Freddy même si j'adore euh, l'écriture de la nuit de, de Wes Craven hein, pas... mais voilà à du Freddy à du Vendredi 13 euh... Et en même temps, il va, justement par sa mise en scène et par tout ce qu'on va raconter ensuite, dépasser et sortir complètement de ce... De, de, de... Mais de toute façon, Bernard Rose joue énormément avec ça, on va, on va en reparler aussi, mais justement sur ce slasher, l'une des scènes d'introduction du film se, se moque presque de, de, du slasher comme on l'entend avec ce boogeyman qui sort de n'importe où juste pour tuer l'adolescent Voilà à la vendredi 13. Hein. Mm -hmm. Ouais, ouais, complètement. Et puis c'est vrai que je pense qu'une autre malédiction, peut-être aussi, qui, qui rôde sur ce film et qui explique un peu le manque de reconnaissance, et le statut du film en lui-même, dont seule la figure émerge, mais pas le film en lui-même presque. C'est le, le trajet, le reste de la carrière de Bernard Rose, qui finalement n'a jamais euh, confirmé. Euh, d'une part ses talents n'ont pas été vraiment confirmés à leur juste valeur pour Candyman. Et en plus, après, le reste de sa carrière est plutôt erratique. Après, moi, je, je me rends Alors, compte que j'ai vu beaucoup de films réalisés par lui, et notamment son. Son, son biopic de, de Beethoven, de Beethoven que voilà, Immortal Lover avec, Elle... avec Gary Oldman qui, voilà, qui joue. Voilà, c'est ça. J'avais fait Master juste nice, après hein. un de ses derniers films. Il a produit beaucoup jusqu'à récemment une adaptation Frankenstein plutôt pas mal, euh, mais bon pas, pas absolument génial. Mais c'est quelqu'un qui paraît est un peu à contretemps quelque part. J'ai le sentiment c'est c'est un, un réalisateur anglais euh, qui, euh, qui 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 a beaucoup œuvré dans, dans le clip et la publicité, particulièrement dans le clip et qui a réalisé deux des clips assez fondateur de, de l'histoire du clip, hein. c'est le clip de Smalltown Boy de de, 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 euh, de merde j'ai oublié de, non non Boy de Bronski non Boy de Bronski bon bref cas. en tout cas un clip absolument génial euh, merde ça me fait chier d'avoir oublié le, le titre de ce chanteur c'est pas très grave et aussi ouais de Frankie Ghost Hollywood Relax qui avait été aussi remakeé par Brian De Palma plus tard dans, dans Body Double et c'était des, des clips assez fondateurs de l'histoire du clip parce que assez choquant par les thème abordé d'une part le Bronski Beat voilà je l'avais j'avais bien euh, sur le thème un peu euh, sadomasochiste gay et puis une histoire gay encore d'un petit garçon des campagnes et, euh, et c'est quelqu'un qui qui qu'on qu pourrait apparenter très bien à toute cette génération, mais qui était apparue presque une dizaine d'années auparavant, de tous ces réalisateurs un peu euh, clippers et pub, pubards, euh, qui, étaient, qui étaient donc les Tony, enfin, Ridley Scott, Tony Scott, Alan Parker, Adrian Lyne, enfin euh, toute une litanie de, de, de cinéastes qui s'inscrivaient un peu dans les sillons de gens comme Ken Russell, euh, par exemple, ou de Nicolas Rugg, mais qui Qui, qui, qui sont des différents, je cinéma. pense. Hein. D'ailleurs, euh, euh, on l'a pas dit, mais le, le chef-op de Candyman, c'est celui de Ne te retourne pas, de Nicolas. Ouais, Sprague, et de toute façon, hein. on sent une parenté. Il y, y a vraiment une école du cinéma anglais qu'on a tendance à cataloguer très vite fait, et moi le premier, dans un cinéma un peu naturaliste, enfin l'école un peu Stephen Frears ou Ken Loach. Mais il euh, y a une vraie école du cinéma euh, anglais. Euh, très porté sur le style hein. on sait ce que ça a été cette décennie là ils ont un peu reconfiguré et fait basculer le cinéma toutes les pour les le pire, et, pour le meilleur, pour le pire que... et le meilleur dans un cinéma vraiment du visuel hein, où la, la tentation était été enfin, la, la, la limite étant que parfois plein de films sont très décoratifs plus que porteur de, 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 de sens où on a l'impression que bah c'est de la du style pour le style pour 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 bien des cas pour bien pour bien des films réalisés par ces types là mais en tout cas lui Bernard Rose qui s'inscrit un petit peu là dedans du fait de son passif de clip et aussi le, du fait de son premier film qui était très marqué aussi visuellement Paper House pas son premier film et vous soir, en avait parlé en cette émission <laughs> ce qui était sorti en DVD il y a Chez quelques années ouais, tout à fait et, et lui on pourrait l'inscrire là dedans mais sauf qu'il n'est pas pareillement il n'est pas arrivé à l'heure quoi il arrive lui à la fin des années 80 début des années 90 à une époque où il euh, bah, y a plus trop la place pour ces expérimentateurs du visuel un peu fou euh, qui ont vraiment marqué euh, les années 80 et qui ont imprimé sur les années 80 euh, qui ont créé le style des années 80 c'est ça le problème c'est que le style est là qu'il fonctionne donc on va pas chercher à le modifier tout de suite en fait et c'est vrai que lui ce qu'il fait c'est pas c'est pas exactement cette mode là justement il a il a, il a pas la, la lumière ou la façon de raconter les histoires de la même manière que, euh, que d'Alem Parker ou des, des Scott, que ce soit Tony ou Ridley d'ailleurs, euh, qui fonctionnent extrêmement bien, y compris euh, en 90, par exemple, parce que le Candyman c'est 92, mais entre, entre Pepper House et Candyman, il va faire euh, un ou deux films qui sont des échecs. Euh, il rentre pas dans, dans ces cases-là et c'est assez surprenant de voir que Candyman va être produit très vite comme ça. On va, on va raconter un peu comment, mais, mais c'est vrai qu'il est et euh, il, il, va, il va mal Malheureusement, je pense que c'est un grand coup de chance, que c'est un petit miracle. Candyman, juste après, justement, quand il va enchaîner avec, euh, avec son, son, son biopic de, de, de Beethoven, mmh. ça va pas, le succès va pas être au rendez-vous. Et puis, il va continuer à s'enfoncer euh, dans, des, dans des films, des reconstitutions historiques. Ce qui va l'intéresser le plus, finalement, après ça, euh, Bernard Rose, c'est euh, soit le, la, la, la légende de, 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 de certains musiciens comme Beethoven ou des, des grandes histoires de la Tolstoï. Il va. Il va, il va, il va, il va adapter plusieurs histoires de Tolstoy notamment Anna Karenine, des choses comme ça, il va Sophie faire Sophie Marceau. Voilà oui. Sophie Marceau, il va, il va, il va ensuite passer euh, à, au numérique et ça ça va changer sa carrière parce qu'il va se il a eu de très mauvaises expériences justement sur Anna Karenine où le film euh, est selon lui-même d'ailleurs un, un échec total hein, en termes de... à tous les niveaux euh, en fait. Et, euh, et il a eu un gros souci avec les studios évidemment donc il va il va passer à des toutes petites productions ensuite jusqu'à jusqu'à encore aujourd'hui hein, il continue euh, régulièrement à faire des, des petits films en fait avec ses amis euh, y compris son Frankenstein hein, qui a pas dû coûter très cher l'anecdote ou son prochain c'est un film de samouraï tourné au japon oui. avec que des japonais et c'est un film j'ai samouraï marathon oui, voilà. sur des samouraïs qui font du marathon ah, si j'avais juste la dernière anecdote c'est juste après Candyman son, quand même son biopic sur sur Beethoven qui date donc lui aussi de 80 c'est une production Icon donc c'est produit par Bruce Davies qui est Icon donc la maison de, de Mel Gibson hein. euh, et ça enfin, je trouvais ça amusant de, de, de voir le, le passage Candyman Mel Gibson et juste bien un genre, vu qu'on est à, au moment des anecdotes il y a une autre, un autre truc assez rigolo et assez parlant même si peut-être gratuit c'est une des boîtes de prod qui est dans le, le, dans le, le, le budget de, de Candyman c'est Propaganda Film et Propaganda Film c'est justement cette euh, boîte de prod formée par euh, Spike John Z, David Fincher et d'autres clippers américains pour le coup euh, qui ont euh, bah, un peu reconfiguré aussi une certaine fa façon de, de faire des blockbusters et notamment enfin, berger euh, des gens comme Spike John Z ou, euh, ou David Fincher justement mm -hmm. euh, on va, on va euh, je pense, parler un peu plus euh, clairement du, de Candyman et même de ce que ça raconte, parce que pour l'instant, on n'a même pas dit, mis à part que c'était un boogeyman, de quoi que ça causait. Mais avant ça, parce que c'est un, un point très, très important pour moi dans le film, et c'est peut-être l'une des, des, des choses qui m'a fait le, y revenir de plus en plus, c'est sa musique, euh, donc composée par Philippe Glass, qui, est, euh, qui a composé pour d'autres films hein, que moi, je trouve pas forcément très glorieux. Je pense à, évidemment à Kundun de. Euh, celui de, plus. de celui dont on t'era le nom. Euh, mais c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé Philippe Glass. Un, un petit détail, ça fait partie des, des accidents du film, et euh, je voulais en causer avant qu'on écoute la musique quand même. Euh, parce que pour moi, le film est fait de, de, de beaucoup de petits accidents qui en font, selon moi, un miracle. Et, euh, et euh, David Glass Philippe Glass, pardon, euh, a longtemps en fait, refusé que, que la musique du film sorte euh, sur support audio, en fait, parce qu'il était euh, très mécontent du résultat du film, qu'il considérait lui-même justement comme un, un simple slasher, et il pensait avoir été trahi par... Euh, Bernard Rose, en fait, qui lui avait vendu un projet personnel. Alors, il a eu plusieurs versions. Philippe Glass, euh, il a raconté que lui, la musique qu'il avait composée en voyant une version du film, une version de travail, en fait, et que la version qui était sortie plus tard avait été dénaturée par les producteurs, que ça ne ressemblait absolument pas à ce que lui il avait vu, ce sur quoi il avait travaillé. Bernard Rose, lui, affirme que, que, que Philippe Glass, en fait, a vu uniquement une scène du film, qu'ils en ont parlé ensemble, que Philippe Glass a fait la musique et qu'il avait dit à Bernard Rose, utilise-la comme tu veux tout ça machin le fait est qu'en tout cas Philippe Glass il avait en tête et euh, il était d'accord avec Bernard Rose à ce sujet-là de, de créer une musique euh, gothique lugubre euh, qui, qui serait elle aussi justement en décalage par rapport à ce qui se faisait dans les slashers en général où on va euh, évidemment avoir les, des musiques de Badaboum je t'attrape où ça va annoncer la terreur ça va annoncer le moment où on va avoir peur ce qu'on retrouve toujours aujourd'hui moi ce qui me désespère quand je vois des films d'horreur comme le, le remake de ça euh, où, où la musique te disent ce que tu dois ressentir là au contraire euh, il était parti sur quelque chose de, de lugubre mais évidemment de romantique euh il a composé d'ailleurs pour, pas pour le Dracula de, de Coppola, mais pour un autre Dracula euh, à l'opéra ou au théâtre, je crois. Euh, et, et évidemment, il est dans quelque chose d'à la fois bah, de gothique, justement. Donc, on, on retrouve cette romance. Et, euh, et cette musique, donc, il a fallu attendre dix ans pour qu'il la sorte sur un support. Enfin, ouais, plus de dix ans, même d'ailleurs, je crois, pour qu'il la sorte sur un support audio, à savoir un CD. Euh, ce qui a très bien marché à l'époque, compact disque. <laughs> mais euh, mais euh, je, la, je la trouve absolument exceptionnelle. C'est pour moi l'une des meilleures bandes originales euh, de, des, des 40 dernières années je pense au moins c'est euh, absolument depuis Citizen Kane au un... moins quoi. tu te rappelles de la musique de Citizen Kane toi ouais. <laughs> Mais euh, voilà, donc c'est vrai que je voulais qu'on qu l'écoute avant qu'on parle du film. C'est très important pour moi, je pense, d'avoir cette musique en tête parce qu'elle imprime tellement en fait, le, le, le film que voilà, je trouve ça magnifique. On écoute ce morceau qui est quand même issu, euh, même si le thème revient régulièrement dans le film, hein, ce thème d'Hélène euh, revient régulièrement dans le film, mais là, c'est l'un des morceaux de la, de la fin du film euh, qui va euh, faire se, con, se conjurer toutes les, toutes les versions, tous les instruments, tous les arrangements en fait, qu'on a pu entendre pendant... Dans tout le film qui là d'un coup se rencontre et je trouve ça merveilleux. Donc, un morceau extrait de la bande originale euh, du, euh, du Candyman de Bernard Rose par Philippe Glass. On n'a toujours pas euh, mentionné le nom de Clive Barker qui est quand même à l'origine, euh, on va revenir vraiment sur Candyman, hein, mais qui est à l'origine puisque euh, c'est lui qui avait écrit la nouvelle dont est euh, adapté euh, Candyman, même si Bernard Rose avait beaucoup de modifications euh, sur, euh, sur cette nouvelle euh, donc qui était dans les Book of Bloods qui date des années euh, 80, euh, si je dis pas de, de bêtises. Clive Barker euh, qui a lui aussi essayé, essayé la mise en scène avant. Candyman, hein, il a fait El Riser, évidemment, il avait fait le Cabal, et puis euh, Lord of Illusions avec Scott Bekula ouais. euh, Moi, je suis, j'ai jamais été convaincu par par Clive Barker en tant que metteur en scène, ni même d'ailleurs en tant qu'écrivain, même si j'apprécie euh, en fait le personnage et même ce qu'il essaye de raconter. Les... J'aimerais bien aimer Clive Barker, en fait, ça fait vraiment partie des personnages que j'aimerais bien aimer, mais j'ai jamais accroché. Il y a quelque chose qu'on retrouve par contre profondément, je crois, dans dans Candyman, et qui a un peu dans tout ce que j'ai pu apercevoir de, de ce qu'il a fait, c'est euh, évidemment cette histoire de, de souffrance qui, va, qui, qui est mêlée au, au plaisir et à l'amour. Euh, voilà, le, le rapport SM pour aller très très vite, euh, voilà. ouais, c'est juste. Hein. <laughs> mais il mais y, y a surtout une idée qui est, qui est très présente, je crois, et qui apparaît surtout évidemment à la fin de Candyman, mais c'est euh, non pas ce qu'il y a après la mort, mais ce qui peut remplacer la mort, en fait. Et, euh, et là, par exemple, on a affaire, évidemment, à la mythologie. Euh, Clive Barker, dans sa nouvelle, tu me dis, si je me trompe, puisque toi, tu l'as lu, alors que moi, non, parce que je suis un gros nul. Euh, mais déjà, c'est une... donc euh, et il est anglais, lui aussi, hein, comme Bernard Rose, euh, la nouvelle se passe euh, à Liverpool dans des quartiers encore une fois très défavorisés, mais là on n'a absolument pas affaire à un, à un boogeyman noir issu de, de l'esclavage qui a été euh, atrocement euh, assassiné euh, parce que justement il était noir, on n'a pas du tout cette histoire-là, ce qu'on retrouve en revanche c'est évidemment euh, la, la, la mythologie d'un un boogeyman dans, dans, un, dans un univers de, de, de désolation sociale euh, qui sert justement à... à à canaliser entre guillemets les, les peurs de la population. Il y a son idée, c'était que voilà, on, on crée un personnage de ce type quand on vit dans ces conditions-là, parce que comme ça, on se dit qu'il y, y a plus dangereux que que ce qu'il y a autour de nous, grosso modo. Hein, c'est voilà, c'est pour enfin euh, can, pas canaliser, mais en tout cas exorciser justement toutes les peurs du quotidien. On, on crée euh, cette cette légende urbaine euh, qu'on retrouve du coup dans dans le dans le Candyman de Bernard Rose, qui pour la première fois va écrire un scénario parce que jusqu'ici, lui, il l'avait jamais fait. Il va déplacer l'histoire à Chicago dans le quartier de Cabrini Green, qui est un vrai quartier, hein, l'un des plus pauvres et les plus dangereux de Chicago dans ce début des années 90. Euh, et euh, et d'ailleurs, sachant faut... qu'on est aux États-Unis, donc les quartiers là-bas, c'est le centre-ville, quoi. C'est pas comme chez nous oui, où oui, c'est en oui. périphérie là-bas, les quartiers chauds, c'est le centre-ville de. Et, Ber et Bernard Rose va va réussir à tourner dans le vrai quartier de Cabrini Green, qui est donc l'un des, des pires quartiers. de Ils vont pas y tourner longtemps. Hein. Ils vont y tourner 2 trois jours en fait. Euh, mais mais mal, malgré tout, ça reste assez couillu de de la part de Bernard Rose et des producteurs hein, de de décider d'aller tourner là-dedans avec cette idée un peu d'utiliser justement du documentaire, enfin un vrai réalisme, euh, ce qui ce qui je pense joue énormément aussi en fait dans le dans l'impression qu'on a de de Candyman, même si c'est je pense très stylisé, ça, ça saute pas aux yeux comme ça, mais dès le générique, ça saute aux yeux quand même qu'il y a un travail dans, dans, dans l'image qui est, qui est très très important. Et quand il va filmer justement les quartiers de Cabrini Green, on, on, on perçoit quand même des, une stylisation très importante. Tout ça pour dire que Clive Barker, du coup, est à l'origine quand même de ce machin-là et euh, qui va aussi participer aux suites lamentables qui ont été faites et peut-être qu'il a perdu des points quand il a fait ça. Euh, ça fait partie des petits accidents euh, que, que je trouve intéressants quand même dans la création du film qui en comporte énormément. C'est qu'au départ, Bernard Rose ne devait pas euh, adapter cette, cette histoire-là de, des, de recueil, du nouvel, du, du recueil de nouvelles de Clive Barker, mais une autre et que finalement ça l'intéressait pas trop la, la nouvelle qu'il devait adapter. Il a continué à lire le, le bouquin, il est tombé sur celle-ci, The Forbidden et, euh, et il a demandé avec Clive Barker lui-même, il devait partager le même agent, je crois à l'époque, euh, s'il pouvait du coup prendre une option euh, sur ce machin là. Euh, il a écrit le scénario très vite, les producteurs ont accepté et, euh, et la production s'est mise très très vite en route et le, le film a été tourné, je crois en l'espace de même pas un an entre la production, le tournage et la sortie du film, ça a été très très rapide, ce qui est assez exceptionnel surtout pour euh, un, un, un film de cette ampleur entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas non plus un tout petit budget, une, une série B ou un truc comme ça, on a affaire à quelque chose d'assez important et les petits accidents vont continuer dans la création de, de Candyman. Euh par exemple, le, le, le rôle principal au départ devait être interprété par la femme de Bernard Rose, dont j'ai oublié le nom, euh, sauf qu'elle tombe enceinte euh, au, juste avant le tournage, donc elle ne peut plus jouer. Et euh, Virginia Madsen, euh, dont on n'a pas encore mentionné le nom non plus, qui jouait Len Lyle, le personnage principal de Candyman, qui est absolument exceptionnel euh, dans, dans ce film, mais vraiment exceptionnel, n'était hein, euh, pas du tout prévu pour ce rôle. Elle devait jouer notamment normalement l'amie euh, du personnage principal, qui est une, une peureuse, qui sera interprétée par Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est très bien aussi. Euh et, euh, et d'ailleurs elle n'a pas été tout de suite choisie pour finalement remplacer la femme de Bernard Rose et ils ont fait un, tout un casting euh, ils ont pensé à Sandra Bullock euh, à un moment euh, au départ du coup le film devait être joué par Eddie Murphy et Sandra Bullock enfin, on peut imaginer un peu à quoi ça aurait pu ressembler si le film s'était fait vraiment à, du coup à Liverpool avec Eddie Murphy et Sandra Bullock euh, il y a, y a des choses comme ça où le, le film aurait dû être complètement différent euh, euh, normalement quoi. Euh est, euh, on, on continue, du coup, euh, Virginia Madsen finalement est, est acceptée pour, pour jouer le rôle, enfin en tout cas on lui propose, elle accepte, mais elle est allergique aux abeilles. Enfin, est, on continue avec les emmerdes comme ça. Euh, Eddie Murphy il est trop petit, donc on va faire un autre casting et là on trouve Tony Todd qui en, encore une fois, alors il a pu jouer dans d'autres films où il est... Euh, entre guillemets passable, mmh. euh, mais là il a trouvé un, un rôle assez exceptionnel euh, où, et c'est peut-être le moment où on va parler enfin de, de quoi que ça cause euh, Candyman, puisque euh, pour la petite histoire vraiment de la légende qu'il nous a raconté dans le film, Candyman est donc le fils euh, d'un ancien esclave. Il a grandi lui dans, il a fait des études, euh, même si c'était en 1800, 1700 et quelques, mmh. je ne sais plus exactement 1800, la date. Sûrement, hein. euh, mais, mais, mais Candyman lui grandit dans la, dans la haute société, il, a, il est éduqué il devient peintre, il est embauché pour, pour faire le portrait par un, un grand propriétaire de sa jeune fille toute vierge et toute belle, il tombe amoureux, il la met enceinte, et il se fait massacrer par, par tous les gens du coin parce qu'un bah, noir ça ne met pas une, une petite blanche enceinte et, et on lui coupe la main et on le, on le recouvre de miel et il se fait bouffer des abeilles. L'histoire, euh, le film lui-même ne euh, va pas suivre l'histoire de, de Candyman. On ne verra jamais ces scènes mmh. qui sont racontées, même si moi, pendant longtemps, j'étais convaincu de les avoir vues. En fait. mmh. C'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup fasciné. J'étais absolument convaincu d'avoir vu ces scènes mmh. en fait, de, voilà, de flashbacks mmh. ou autre chose, alors que absolument pas. Euh, le film, lui, va, va choisir Helen euh, Lyle donc, pour, comme personnage principal et c'est un personnage, je trouve, moi, merveilleux. Donc, Virginia Madsen, qui est une thésarde euh, qui fait justement une thèse sur les légendes urbaines et qui, euh, pour se la péter un petit peu et pour essayer d'aller un peu plus vite que ses profs euh, ou, euh, ou que les gens autour d'elle, euh, plutôt que de juste faire un travail à partir de livres, va aller sur le terrain. Mais elle n'y croit absolument pas, bien évidemment, c'est légende, euh, des légendes urbaines, donc c'est normal de ne pas y croire. Et elle va se trouver dans Cabrini Green à la recherche de, de, de la légende de Candyman et de ce que les gens racontent, et de comment en fait on attribue à Candyman des meurtres qui sont perpétués par, par des gens du... du, du Quartier et qui utilisent cette légende urbaine justement pour commettre leurs crimes. Et c'est là que le Candyman va apparaître, à la différence, et là c'est un truc qui commence moi à beaucoup m'intéresser, à la différence d'un Freddy Krueger par exemple, qui, qui est un autre boogeyman qui, qui joue sur les croyances, sur, sur la, la croyance des personnages. En tout cas, il a besoin qu'on croie en lui, Freddy Krueger, pour. pour pour être là pour vivre. Si on ne croit pas en Freddy Krueger, Freddy Krueger disparaît. Candyman, c'est à peu près l'inverse. Candyman, il apparaît quand justement les gens commencent à douter de lui. En fait, c'est une espèce de, de, de c'est un truc qui est assez euh, nouveau pour moi dans le dans le cinéma à ce moment-là et aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'il est là pour raviver la foi. Il est vraiment question énormément de foi dans le film et, euh, et donc évidemment, puisque Hélène, elle est là pour pour mettre le doute. Pour, pour mettre, remettre en question l'existence même la, 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 voilà, du Candyman, il va lui apparaître à elle. Et, euh, et nous, c'est un truc qui devient un peu compliqué pour moi, un peu dans le film. On joue sur le fait qu'on est en, constamment du point de vue d'Hélène Lyle. Donc est-ce qu'elle, elle est folle Est-ce que machin euh, Mais en tout cas, on va, il, va, il va tout faire pour euh, transmettre sa, sa, sa légende à Hélène. Oui, mais c'est vraiment un personnage assez fascinant. C'est un être complètement paradoxal. Enfin, tu l'as dit, c'est vraiment, c'est lui, il n'existe en fait que si on croit en son existence. Et en fait, son existence à lui, en fait, n'a pour but que de pérenniser la croyance chez les gens pour qu'ils continuent à exister. Donc, c'est cette chose très de cet être assez paradoxal qui qui, oui, au début du film, est, est remis en cause par Helen Lai. Et je pense, moi, que, encore une fois, Candyman, le, le vrai personnage de Candyman, c'est le personnage d'Ellen Lai. C'est ah elle un, le personnage principal, c'est le personnage principal. Et Candyman vient en tant que presque révélateur, parce que finalement, là où il y a quelque chose qui est très saisissant, et moi c'est ce qui m'avait saisi la première fois en voyant le film, sans vraiment réussir à mettre des, des mots dessus, c'est que c'est un vrai portrait d'un corps social dans son entier en fait quoi euh, dès le début du générique hein, on a des, des plans en euh, hélicoptère très stratosphériques qui ont toujours la particularité d'être à la fois hyper détaillé, hyper objectif, et du fait même de, du recul et uh, du, du côté uh, où on voit, on prend du recul et on voit les trajets et tout ça, d'être à, à la fois un peu abstrait, quoi. Et finalement, le, le film, il accomplit. C'est l'hyper réalisme qui pousse ça. C'est un à... peu une sorte d'hyper réalisme, le fait d'avoir ces plans d'hélicoptère sur les réseaux autoroutiers, les immeubles, où finalement tout est transformé en forme géométrique, quasiment. Hein. On a vu ça dans La mort aux trousses de Hitchcock, on voit ça beaucoup chez Fincher, c'est quelqu'un qui utilise. Il y a un petit ça. côté Michael Mann aussi, presque. On peut l'utiliser aussi, mais c'est quelque chose qui qu'on qui, 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 qu voit beaucoup dans le cinéma contemporain à l'ère numérique justement cette tension entre l'abstraction euh, que permet le, 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 le numérique et puis une pure incarnation quelque chose qui, qui habite le cinéma de Michael Mann mais qui habite le cinéma depuis très longtemps mais qui et qui dans le cas de Candyman dit beaucoup de choses en fait sur euh, j'ai le sentiment que ça ça dit c'est vraiment un un film qui, sans arriver encore tout à fait à mes démos dessus, dit beaucoup de choses sur une sorte de, de, de disparition de l'individu. Parce que finalement, Hélène Lai, il lui arrive exactement la même chose que Candyman avant qu'il ne devienne Candyman. Quoi Hélène mmh. Lai, c'est une femme, on devine assez vite qu'elle euh, qu a été une étudiante et qu'elle s'est mariée avec son prof alors qu'elle est toujours thésarde, et elle est soumise de la même façon que Candyman euh, était soumis euh, lors de son de sa jeunesse ou de sa vie euh, propre là euh, était soumis à un préjugé, c'est-à-dire que lui il était euh, bah, il a été finalement rattrapé par le préjugé de de la société, c'est-à-dire qu'il était noir et que finalement il n'avait pas le droit même s'il était très éduqué et tout ça, il n'avait pas le droit d'engrosser une blanche. Elle en tant que femme, elle ne peut pas euh, accomplir le même travail universitaire que les hommes. Il y a des, des scènes très fortes où elle-même, en tant que femme, est ridiculisée par ses collègues euh, profs d'un grade supérieur qui la Et tout le ah film... Oui, a ra raison, enfin, je, je comprends très bien ce que tu veux dire, mais c'est vrai que moi, je n'ai pas, pas exactement la même vision. Enfin, euh, je, je, je vois très bien pourquoi tu, tu veux dire ça, mais par exemple, ce moment où elle se fait, entre guillemets, rabaisser par, par un prof... Elle l'a complètement cherché, elle est convaincue qu'elle va faire mieux que lui, elle, elle le prend un peu de haut, et puis du coup, il lui dit Ah oui, très bien, tu veux parler de Candyman, mais est-ce que tu connais son histoire mm. Non. Mais ah, oui. ben comment tu veux me. Oui, mais lui, lui raconte l'histoire en tant qu'histoire. Je veux dire, oui, en oui. tant qu'histoire. Par contre, il n'y a pas de, 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 de foi encore. Non, il n'y a pas de foi, mais lui... elle non plus, elle, enfin, elle commence peut-être à l'avoir, mais je sais que c'est quelque chose, alors qui a avant ça, qui moi me, me, me fascine beaucoup, oui. mais je pense que c'est en lien avec ce que tu dis. C'est le, le fait que. Elle, elle est uniquement dans le, dans le théorique et qu'à un moment, en fait, elle va se, se heurter au, euh, au, au réel. Oui, mais bien sûr, mais je pense que c'est exactement ça. En fait, ce comme, que... comme a pu le faire euh, Candyman, justement. Comme oui, en faire, fait, voilà. tout, tout le est le comme réel ça. Parce que de la, la même violent. façon, les personnages de la cité, qu'est-ce qu'ils sont euh, Quand on voit ces personnages d'Anne-Marie, qui est à une personnage que, que Hélène croise en, ayant, en allant photographier des graffitis, en faisant une petite enquête, justement, sur ces meurtres, euh, elle-même est prise au piège entre sa vraie... Euh, son, son moi, sa vie, sa personnalité, et l'image que la société lui renvoie, c'est-à-dire qu'elle habite à Cabrini-Green, elle est considérée de fait comme une délinquante. C'est très étonnant de voir ce film, surtout en ce moment où on parle beaucoup de ça, où c'est des problématiques très importantes, où on a beaucoup parlé de ça, mais en ce moment c'est vraiment important. sur Des dimensions raciales, des dimensions de genre, des dimensions sociales, euh, de toutes les différentes luttes en tant que, que, que... comment les classes sociales, raciales et ça se constituent en Code et que comment un individu est, euh, est fatalement confronté à l'image à que les, tout son entourage renvoie de lui et à quel point ça le nie en tant qu'individu et ça le renvoie à une case et finalement. Tout le, le cœur de Candyman, c'est ça. C'est exactement ça, parce que le cœur même de Candyman en tant que film d'horreur, c'est un personnage de Candyman qui est une créature, un monstre, lui-même est attaqué en tant que monstre, en tant que, que créature du, du mal, en tant que Boogeyman, et attaqué par Ellen Lai, qui veut la renvoyer à un champ qu'elle connaît, c'est-à-dire un champ sociologique. Le champ sociologique de qu'est-ce que c'est les légendes urbaines, c'est-à-dire le discours que lui appliquent tous ses collègues professeurs, c'est une légende urbaine n'est là que pour exorciser les peurs d'une société dans son entier. Elles n'ont aucun fondement réel. Ce n'est qu'une que, que, qu construction sociale. Donc c'est déjà aussi une violence que ce monde-là très cyniques, quelque part, qui ne font qu'analyser des faits de société, euh, des, des faits mythologiques, en termes euh, de rationnels, euh, concrets, euh, et avec beaucoup cynisme, de recul. du coup C'est voilà, un affront qui est fait au candyman, qui est bien qu'un être paradoxal entre l'existence et la non-existence, et quand même euh, croit profondément à la validité de son existence, en tant qu'à la fois mythe et... Euh, et quelque chose qui advient vraiment. Enfin, y a moi, je trouve le film et là, j'ai même pas assez de bagage, je pense, en termes philosophiques, parce que pour moi, le film dit, je pense, beaucoup de choses sur l'être et le non-être et tout ça. Enfin, mais vraiment, justement, mais moi, justement, dedans. mais par rapport à ça, même au manque de bagages moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans, euh, qui me plaît énormément dans, dans ce film. C'est euh, évidemment, il y a tout ce que tu viens de dire. On a euh, et je pense, enfin, c'est même Clive Barker et Bernard Rose en parlent. Hein, c'est que le film est analysé en université aux États-Unis par rapport justement aux, aux légendes urbaines, à la mythologie, à plein de choses. Chose. Le film peut se rattacher à plein de problématiques sociales, euh, de... On, peut, on peut trouver évidemment le, le, le rapport à la mythologie afro-américaine, le rapport euh, vraiment à la pauvreté, à plein plein de choses. À aucun moment dans le film j'ai l'impression en fait que, que ces dimensions là, même si elles sont évidemment constamment présentes, prennent le pas sur une autre c'est-à-dire qu'on va être entraîné comme un, comme un très très bon film, très bien raconté, on va être entraîné de toute façon par l'histoire, par, par le trajet du, du personnage principal Dellen Lyle qui, qui, se, qui se fait vraiment embarquer euh, par, par cette croyance de toute façon qu'elle commence à avoir en fait et nous en tant que spectateurs là aussi et, et tous les autres dimensions euh, sociales, n'importe quoi, euh, sont, restent présentes et... Euh, et de façon assez miraculeuse, trouve tout un équilibre mmh. en fait. Oui, je pense. C'est pour ça que je disais en intro que ça sera intéressant et peut-être pas dans le bon sens du terme de voir ce que quelqu'un comme Jordan Peel pourra en faire, parce que effectivement. Candyman, euh, à l'honneur, en tout cas, d'être vraiment un des rares films à avoir un bogeyman euh, noir. Ça a d'ailleurs euh, peut-être suscité un mini-tollé à l'époque. Et clairement, on pourrait, par feignantise, y voir une métaphore de la vengeance. Mais comme c'est classiquement le cas de, de beaucoup de films d'horreur, c'est-à-dire, le, le fantôme revient pour venger les, 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 euh, les horreurs des, des vivants, c'est-à-dire... Euh, Bon, il y a il y dix mille exemples, hein, les les beaucoup de films de fantômes, c'est ça. On revient pour réparer une injustice. Et Là, ça pourrait euh, être le qui, fantôme de l'esclavage. Et qui voilà, c'est et, et on pourrait très bien voir Candyman comme celui qui va venir venger, euh, voilà tous les, tous les tous les tous les noirs des horreurs commis par les blancs. C'est pas du tout ça, Candyman. C'est. Et et, moi, et, j'oublie euh, très et, vite et le, sa condition. Pour en moment, le, le le Alors que la condition pourtant raciale, pour moi me paraît extrêmement euh, bien bien traitée dans le film. Mais pour le coup. Pas dans le registre de la, du allégorique ou métaphorique tel que je viens de le dire. C'est pas du tout ça. Alors, dans les, dans les bonus, justement, tu as Alexandre Ponce et Laurent Durange qui reviennent là-dessus sur le fait que, euh, Candyman, euh, les gens qu'il va tuer, euh, on se fout tout à fait qu'ils soient riches, pauvres, blancs, ouais. ou noirs. Mmh. Lui, il est pas là pour, pour justement cette vengeance. Il est là pour faire perdurer sa, Il, sa il est là pour en fait. faire peur, en fait. Et en fait, il y a, il y a quelque chose qui est, qui est, qui est très euh, propre à Barker, euh, j'ai le sentiment, même si je connais, ne suis pas familier de ses écrits, je n'ai lu que cette, 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 cette nouvelle, mais en fait le, le principe de, 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 de Candyman, et qui est d'ailleurs énoncé dans le film, c'est genre, mais, moi je, je n'existe, euh, parce que le, pour que, à la limite, pour que les gens aient du plaisir à vivre, il faut qu'ils aient conscience du principe de destruction de la vie en fait moi je n'existe que pour incarner le principe de destruction de la vie si tu viens me rejoindre les étreintes des amoureux seront plus fortes et il y a quelque chose qui est très fort dans la nouvelle et qu'on retrouve qu'en filigrane dans le film c'est c'est euh, dans, dans la nouvelle de clive barker il y a cette idée que, pareillement que la, la, le personnage d'Hélène la, Lai, une des violences qui lui est faite, et qui, va, qui correspond un peu à tout le propos que j'ai essayé de développer à, 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 auparavant, c'est cette idée qu'elle-même est prise aussi, il y a ce, cette sorte de, de lutte amoureuse, c'est-à-dire qu'elle est une jeune étudiante qui, avec son professeur, et elle est sous la menace constante et assez frappante dès le début qu'elle pourrait être remplacée par une autre étudiante. Oui. Ce qui va arriver dans le film. Oui. Et donc, c'est vraiment euh, mon individu ne, ne, ne compte pas. Ce que je suis ne compte pas. C'est juste le fait que je sois une jeune fille qui l'intéressait. Ce qui va arriver. Et, euh, et elle-même, du coup, Ellen Lai. Euh, dans, 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 dans la nouvelle, euh, ça court hein, pendant tout le film. C'est une des lignes narratives assez fortes. Euh, c'est dit dès le départ qu'elle qu qu la trompe. Hélène, là, il le sait dans la nouvelle. Elle, son mari la trompe. Et euh, ce qui la désespère le plus, c'est de voir le regard euh, euh, vide et dépassionné euh, qu'il porte sur elle et le fait qu'il n'a pas un regard hanté. Et à la fin de la nouvelle, ce qu'elle qu aime chez son mari, parce qu'elle elle ne le tue pas, mais elle a, elle a vu qu'elle a fait une forte impression c'est qu'elle c'est voilà un individu qui est hanté euh, et on retrouve des bribes de dialogue parce que tous les superbes dialogues de Candyman en fait proviennent sont littéralement repris de la de, de la nouvelle toutes les, les propos de Candyman le personnage Donc on a pu et entendre quelques extraits on voit en vraiment tout à que, que en tout cas l'idée même c'est ça c'est euh, en fait, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'est pas hanté par quelque chose. Mais que ça soit une force, euh, que ça soit quelqu'un dans la nouvelle, c'est-à-dire euh, voilà, on, on euh, j'occupe ton dans mon... Totalement ta, ta tête, je, je te hante, ou, euh, ou quelque chose de, de profondément maléfique qui va rendre la, les étreintes des amoureux beaucoup plus fortes, tel que mais, le dit Candyman. Mais, mais est-ce que est ce que va vivre Candyman, ce que vont vivre Candyman et Hélène Enfin, moi, je, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit tout, tout de suite tout, encore, mais le. C'est extrêmement romantique. Enfin, euh, l'histoire entre Candyman et Ellen euh, Lyle est extrêmement romantique. C'est de la, de, la, de la grande passion, même. C'est. Euh, on, on a évidemment ce côté Dracula euh, euh, très évident. Euh, on en parlait au antenne avant de faire l'émission. Euh, moi, j'ai aucun problème en fait à, à croire à, à cette, euh, cette histoire entre entre Hélène Lyle et, et Candyman. Euh, je comprends tout à fait pourquoi Ellen Lyle est euh, passionné par par Candyman comment elle peut tomber sous son charme entre guillemets euh, parce que le personnage lui-même est extrêmement euh, euh, élégant il est euh, il a un charisme fou euh, je comprends très bien qu'il la hante et lui-même évidemment je je comprends et leur histoire d'amour est euh, est vraiment enfin une histoire d'amour c'est un peu abusé peut-être de dire ça leur passion en tout cas leur histoire est extrêmement forte moi j'y crois profondément quoi et c'est une histoire de foi euh, profonde entre les deux qui euh, qui, qui fonctionne à, à fond les ballons et il y a un, un dernier point sur lequel il faut revenir d'ailleurs euh, avant de terminer cette émission, quand même, c'est euh, à quel point on l'a dit, Helen Nile est le personnage principal euh, du, du, du film et, euh, et comment elle va devenir elle-même, justement, le, 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 pas la suite, mais en tout cas le prolongement de la mythologie Candyman et comment les, les suites euh, du, du, du du Candyman, de Candyman 2 et 3, sont complètement passées à côté de ça, justement. Quelque chose sur lequel reviennent encore les bonus, hein, sur le fait que les suites du film n'auraient pas dû être des suites avec Candyman, mais avec Hélène, justement, euh, qui qui a pris la vraiment la succession de, de ce personnage. Et, euh, et, et là, on retrouve quelque chose, justement, qu'on pouvait avoir dans les années 70, notamment dans le cinéma de William Friedkin, comment le, le, le mal va se propager. Là, on a plutôt affaire à la mythologie qui se propage, mais c'est vrai qu'on a affaire au mal quand même. Et, euh, et je trouve ça extrêmement dommageable, euh, que euh, non seulement les suites sont passées à côté mais je pense que la plupart des, des, des spectateurs euh, à un moment en fait soient passés à côté de ça du fait que non c'est pas Candyman le, le, le héros c'est pas lui qui va, qui va vivre à euh, temps mais c'est bien Hélène c'est elle le, 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 le héros euh, tragique de, de cette histoire. Ouais, héros tragique et c'est vrai que c'est un personnage lui-même paradoxal, hein. enfin, c'est très étonnant le film, moi je trouve le rythme du film moi, je trouve le... encore une fois c'est pour ça que je trouve le film est vraiment un chef d'œuvre parce qu'il y a quelque chose qui échappe à chaque fois à la compréhension mais il y, 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 a... y a du Mystère qui restera ouais, a, constamment. C'est ouais. vrai que dans l'écriture du personnage, c'est un personnage très actif. Là, c'est clairement un film qu'on pourrait très très bien analyser dans une problématique de genre féministe. Hein, ce ce film-là, c'est clairement, il aborde à peu près. Il coche toutes les cases de ça et brillamment, il est très pertinent là-dessus. C'est un des personnages, de, un personnage de femme brillant, Ils sont tombés euh, dans les écueils, en pas, plus, pas euh, du tout, enfin ou dans des discours. C'est-à-dire que jamais, jamais, le film jamais est tombé dans un discours. Et, et c'est vrai que c'est un personnage qui est très actif. On le sent très motivé et euh, effectivement, il remporte aisément le, 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 le test de Bechdel, hein, pour ceux qui connaissent. Mais mais et en même temps, il y, y a cette sorte et encore une fois, il y a cette sorte de tension sur l'individu euh, qui. Comment exister pleinement dans l'action je fais, je fais ma chose, je fais, mon, je fais mon truc. Je dois me réaliser là-dedans. Et il y a une tentation de la disparition chez elle euh, aussi. Quoi. Et, et le film a cet aspect de rêve éveillé aussi beaucoup. Quoi. Ah bah On y la y voit Il y, y, y a les références à Alice aussi, à plein de Bien choses. Bien sûr. Y a, y a... L'espace mental, des... ouais. même en termes de mise en scène, des images mmh. subliminales, comment les le film est contaminé au fur et à mesure. Par Candyman, quelque part, comment elle-même, euh, pour l'anecdote, a été hypnotisée réellement par Bernard Rose pour avoir cette qualité de regard qui est hallucinante dans le film. Et, et, et même en termes de mise en scène, tout ça, on, on sent que le personnage, le, euh, au bout d'un moment, alors qu'on l'a vu euh, assez maître de ses actions, très volontaire, euh, assez imperméable à la peur au début, parce que très rationnel, euh, elle a toujours ça, et en même temps, il y a des moments où elle a une sorte d'abandon euh, total, jusqu'au au point de justement devenir... Euh, une image, mais qu'elle aurait presque elle-même décidée par euh, le fait qu'elle ait succombé au Candyman. On l'a réduit à une image de jeune femme un petit peu inconsciente qu'elle allait être nulle dans sa carrière universitaire. Euh, là, elle va euh, elle va devenir une image qui va perdurer euh, si jamais il y avait eu un Candyman 2 juste. Elle serait devenue un, un, un mythe, et euh, un personnage très très fort. Et euh, c'est ça qui aurait été euh, sa condition de d'existence et en même temps sa condition de non-existence totale. Et c'est euh, hyper beau dans le film. Quoi. Et euh, je suis... Donc il va être temps malheureusement qu'on qu s'arrête. Euh, juste par rapport au... Euh l'édition de SC je suis assez content parce que c'est vrai que moi étant un peu fan du film je m'étais hâté de commander l'édition de Arrow donc l'éditeur anglais qui fait un travail merveilleux euh, pour rappel Arrow a aussi remasterisé des films comme Carrie ou The Sing de John Carpenter dans des copies exceptionnelles euh, ils ont été jusqu'à récupérer aussi le, la, la copie privée du chef opérateur de Appartement à la tête d'Afredo Garcia pour sortir la plus belle version d'Afredo Garcia qui soit disponible à ce jour au monde je pense et donc ils ont fait ce travail aussi sur, sur candyman arrow euh, arrow qui est merveilleux mais qui a aussi ce souci d'être un éditeur anglais donc mm -hmm. aucun sous-titre français disponible que ce soit sur le film ou les bonus bien évidemment euh, ESC récupère donc la copie et une grande partie des bonus du, 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 du blu-ray anglais avec sous-titres y compris pour les commentaires audio qui sont un peu particuliers parce qu'on a affaire à des mélanges de commentaires audio de, de tout le monde Monde. On a on a Clive Barker, Bernard Rose, les acteurs, les producteurs, tout se mélange, on a affaire à un truc un peu particulier, euh, mais ça reste intéressant. Et puis et puis la copie du film qui enfin est, euh, est, est à la hauteur de, de, de ce qu'est le film et ça change un peu du précédent DVD qui était sorti, voire du Blu-ray qui était sorti, qui reprenait juste le DVD mais qui le mettait sur une galette Blu-ray, ce qui faisait ressortir un peu tous les défauts de... Bref, mm -hmm. euh, alors que là, visuellement, on se rend compte aussi à quel point c'est merveilleux, je le dis et encore. Euh, le ouais, son encore hein, le, le par beau du et cinéma, voilà mais voilà c'est con hein, que quand mais on achète un blu-ray et tout ça on a une piste son qui est non compressée voilà. quoi, et on ah, s'en rend compte avec les extraits les extraits qu'on ouais. a pu passer et qu'on va encore entendre pour le générique de fin notamment le, la voix ah, qui vient d'un rip de... sur internet hein. non mais d'accord ouais. mais, mais, mais on s'en rend compte du travail qui est fait aussi sur la voix de, de Tony Todd par exemple ouais. la, cette voix de Candyman qui est qui justement hante mm. énormément enfin c'est moi je trouve ça brillant le travail qui a été fait sur ce qu'il est était déjà c'est euh, assez euh, merveilleux. Euh, voilà, en tout cas, je suis très content que, que, le, que le film soit enfin disponible chez nous dans une, dans ce, avec cette qualité et que le, le, le soin y ait été apporté. Mmh. C'est ça aussi, en fait, euh, sur, sur quoi je voulais revenir. Il y a, y a des films comme ça qui méritent qu'on y apporte un peu de soin. Mmh. Je suis un peu désespéré de voir, euh, depuis quelques années, certains films. Euh, je comprends que des éditeurs veuillent se battre pour sortir mmh. tel ou tel film et à quel point c'est difficile, pour, euh, de plus en plus d'ailleurs, pour les éditeurs DVD, Blu-ray. De, de sortir de bonne qualité des films. Je sais aussi que justement, euh, le travail a pu être fait précédemment par euh, des éditeurs étrangers. Euh, je pense à Criterion aux États-Unis, je pense à Aro ou Eureka euh, en Angleterre, euh, qui, qui ont fait ce travail justement pour restaurer des films, pour proposer des, des bonus intéressants. Encore une fois, je pense à Alfredo Garcia, hein, qui, est, qui, est, qui est disponible dans une qualité assez complètement folle et avec des bonus complètement fous euh, en Angleterre qu'on a toujours pas vu arriver en France. Donc je suis content euh, que 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 le travail qui a été fait par d'autres gens puisse être récupéré en France parce que je sais aussi voilà, que c'est compliqué et que mmh. ça, ça coûte très très cher mmh. et, euh, et encore une fois le film pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le, le Blu-ray français mais il faut, en fait, mais, mais il faut, faut parce que euh, sinon justement, c'est les euh, dernières années du Blu-ray ouais, essayons que ça, ça dure va le, le plus longtemps possible pour savoir possible. que les producteurs ouais. de lecteurs Blu-ray ouais. arrêtent euh, ouais. de fabriquer ouais. les lecteurs Blu-ray donc ça donne un peu une idée de ce que ça pourrait ouais. devenir vous avez, on va tous regarder les films dans des qualités compressées pourries sur Netflix c'est ça, le film sera lui projeté aussi dans donc à Rennes, au Marquis de Sad, le 21 mars, le jeudi 21 mars, par l'association 97 mm. On va devoir se quitter malheureusement. On annonce quand même la séance de Rio Bravo, hein, le 31 mars, dimanche à l'Arvor à 21h, euh, Rio Bravo de Ward Hawks, un film qui est pas mal. Le film du dimanche soir, donc euh, proposé par le cinéma est mort et on Godard. Euh, à l'Arvor, euh, bien évidemment, euh, on va se quitter avec un dernier extrait de Candyman. Vous pouvez réécouter cette émission évidemment sur le site de Canal B en podcast et puis sur la chaîne YouTube du cinéma est mort. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Antonin d'avoir participé à, à cette émission dans les studios terre de l'Arvor, <laughs> de Canal B, à savoir justement les appartements de l'Arvor. Merci à l'Arvor de nous avoir accueilli pour l'enregistrement de cette émission. On se retrouve très bientôt. Merci. Hey, Ciao. Des bisous. Helen. Yes is that